Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble des petites fleurs de gypsophile comme celle-ci au crochet de deux couleurs. Donc j'en avais déjà fait un modèle sur la chaîne hein, où j'avais fait en une seule couleur et d'ailleurs, eh bien c'est pas la même technique pour la faire. Donc pour le faire, je vais utiliser du fil de coton. Donc je n'ai malheureusement pas réussi à mettre la main sur l'étiquette qui va avec mon coton, mais au cas où, si vous vouliez utiliser le même fil que moi, c'est du fil de coton de la marque Déco 8. Voilà. Donc je vais utiliser du jaune pour faire mon centre de fleurs, du blanc pour les pétales extérieurs et du vert pour la tige. Maintenant, pour les couleurs, vous pouvez en faire de multiples couleurs, du blanc et rose, du rose et du violet, c'est à vous de choisir les couleurs. Pour ce qui s'agit du fil, utilisez le fil que vous avez envie. Vous pouvez même utiliser une petite laine, ça ne vous changera pas le modèle, ça vous changera juste la taille des fleurs. Évitez tout de même un fil trop épais, hein. Vous pouvez utiliser un fil assez fin pour les faire, ça vous changera pas le modèle non plus, sauf que votre fleur sera plus petite. Je vais également utiliser du fil de fer comme ceci, hein, en bobine. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Donc celui-ci va me servir à faire eh bien, le squelette de ma branche. Je vais également utiliser une pince pour plier ou couper mon fil. Une paire de ciseaux pour couper mon fil de coton, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, et pour crocheter, je vais utiliser, hop, on va un petit peu pousser tout ça, mon crochet de 1,5 mm. Pour le crochet, c'est comme pour le fil, hein, vous pouvez utiliser celui que vous avez envie. Bon, après, n'utilisez pas un crochet de 6 ou 6 mm, hein, bien sûr, ça vous fera des fleurs immenses. Là, c'est vraiment des petites fleurs. Voilà. Mais si vous utilisez du 1 ou du 2 ou du 2,5, c'est possible, hein, adaptez-le à votre fil. Ou utilisez celui que vous préférez utiliser. Donc, eh bien, on est parti pour nos petites fleurs et on va commencer par faire la tige centrale. Pour commencer, on va démarrer par faire notre tige centrale. Donc, pour ça, je vais prendre mon fil de fer. Le fil que j'ai choisi à mettre au centre. Donc on va tout simplement venir rouler eh bien notre fil autour de notre fil de fer et après on prend notre fil comme ça et on va venir le plier. Alors faites attention en pliant à ne pas couper votre fil. Maintenant hop, je tournicote et là je vais faire un petit nœud coulant. Tac. On laisse une petite longueur hein, et on coupe notre fil. Alors, bien sûr, pour pouvoir faire une branche, il va falloir que vous preniez une tige de fer qui sera plus longue que les autres, celle qui se constituera la tige centrale. Et après, par-dessus, vous viendrez accrocher eh bien les autres fleurs. Donc moi j'en ai pas fait une très longue,
Mais après, c'est à vos doigts, vous pouvez faire même plusieurs branches hein, pour faire eh bien, une branche épaisse. Donc maintenant, je vais prendre mon fil qui est de la même couleur que ma tige et je vais venir faire une chaînette de 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maintenant, on va passer notre toute première maille. On va dans la deuxième et on va faire une maille serrée. Là, je vais monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais aller dans ma première maille en l'air pour venir faire une maille coulée. Je passe dans la maille d'à côté. Et là, je fais une maille serrée. Et on va recommencer notre petite tige. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans ma première maille en l'air et je fais une maille coulée. Je passe à côté. Et je recommence. Une maille serrée, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je retourne dans la première et je fais une maille coulée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans la maille d'à côté. Et là, je vais aller prendre mon fil de la couleur principale de ma fleur. Donc moi j'ai choisi le blanc, bien évidemment, si vous voulez faire du rose, faites du rose, hein. Et je vais venir faire ma maille serrée en blanc. Et on va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne dans la première maille en l'air et je fais ma maille coulée. On va passer à côté. Donc cette fois, on attrape nos fils ici hein, pour pouvoir les camoufler et les coincer en même temps. Et je recommence. Donc notre petite branchette là, notre pétale en fait, on va en faire au total 7 en blanc. On a fait 3 jaunes, puisqu'on ne compte pas notre maille serrée. Et là, on va faire 7 pétales blancs. Donc, je vous laisse faire vos 7 pétales blancs et je vous reprends pour la suite. Une fois que vous avez fait, eh bien, vos 7 petites tiges, on va prendre notre fil vert. Donc on va venir l'incorporer comme notre fil blanc, on pique à l'intérieur. Et cette fois, on fait notre maille serrée en vert. Donc là, on a fait une maille serrée en vert. On va passer à côté. Alors c'est pareil, on essaye d'attraper nos petits fils pour les coincer. On passe dans la maille d'à côté et on fait une seconde maille serrée en vert. Maintenant, dans notre dernière maille ici, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc, quand vous avez fait vos 3 mailles serrées, eh bien, on va couper un peu nos fils ici. Tac.
Alors, maintenant ici, on a fait deux mailles serrées en vert, donc on va les piquer dans nos mailles et on va faire pareil, deux mailles serrées en vert. Une, on passe à côté, on fait la deuxième. Maintenant, on va continuer en mailles serrées, sauf qu'on ne va pas piquer dans la maille ici. On va les piquer, vous voyez, au-dessus de nos fils jaunes. Et on va camoufler. Au total, on va faire 8 mailles serrées. Une, je passe à côté, je fais la deuxième. Là, je pique au milieu. 3. Hop, on écarte bien. Je pique au milieu. 4. Là, au milieu. 5. Au milieu. 6. Au milieu. 7. Et là, on va grappiller un petit peu sur le jaune. Ici, la huitième. On va faire une maille en l'air et on va couper notre fil en laissant, hop, une petite longueur. Donc là, eh bien, nos pétales sont prêts. On va commencer à assembler, hein. Donc là, vous allez prendre votre petite tige et le petit fil qu'on a laissé la petite longueur, on va le passer dans une aiguille. Je vais aller piquer eh bien, dans ma maille serrée, ma première maille serrée ici. Je vais aller piquer là-dedans. Et là, je vais venir placer. Comme ceci, vous voyez, sur notre premier pétale ici, hop, je place ma tige. Et on va venir, eh bien, accrocher la base de notre fleur sur notre tige. Donc, on va faire un ou deux tours avec notre fil. Et après, on va venir faire un nœud coulant. Tac. Maintenant, celui-là, on peut le lâcher. Je vais le coller à ma tige. On laisse le fil vert en dessous, hein. Et là, on va tout simplement venir rouler. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit fil, hein, qui dépasse. Et hop, on va le coincer aussi. Et on va tout simplement venir rouler, eh bien, notre fleur sur elle-même. Donc là, alors, parce que ça va être un petit peu compliqué au début, étant donné qu'il faut tenir notre fleur et en même temps il faut passer notre fil, donc je vais venir le faire avec mon crochet. Tac. Et maintenant, je vais passer mon fil dans l'aiguille. Quand c'est fait, eh bien, on va remaintenir nos fils jaunes et on va venir resserrer un peu. Ici, je vais piquer en dessous et je vais aller chercher, eh bien, c'est pareil, ma maille serrée. Et on tire. Là, je vais aller resserrer légèrement aussi. Donc, j'attrape mes petites mailles, hein. Et je repique dans l'extrémité. Donc là, c'est pour ne pas utiliser de colle. Après, si vous voulez mettre de la colle, eh bien, mettez de la colle, c'est vous qui choisissez. Et on va faire un petit point de couture sans perdre votre fil avant de faire un petit nœud coulant pour le coincer. Donc, on va déjà commencer à glisser en dessous. Et puis, le nœud coulant, on n'en a pas besoin, hein, parce qu'on va venir rouler notre fil à notre base ici. Voilà, on va le coincer comme ça.
Maintenant, on va reprendre notre fil vert. Voilà, on coince le tout. On en rajoute et on roule. Bon, quand vous avez fait une certaine longueur, vous avez tout coincé, coupez vos petits fils. Ça évitera qu'on voit du jaune, hein, ou du rose. Si vous avez fait en rose, en dessous. Et vous utiliserez moins de fils. Donc maintenant, pour votre rebranchage, vous allez tout simplement regarder à la hauteur. En fait, du aléatoire, hein. C'est mieux de faire du aléatoire que de faire du structuré. En fin de compte, après, quand on essaye de faire trop carré, eh bien, ça donne pas grand-chose. Vous collez vos tiges et là, vous roulez tout simplement. Je vais chercher une autre fleur. Alors, vous voyez, je commence à rouler à partir de là. Un petit peu au-dessus de là où j'ai arrêté mon fil. Et là, on fait pareil, on roule. Alors, bien sûr, plus vous faites de fleurs et plus elles auront de fleurs. Là, moi, je vous fais un petit échantillon. Et là, bon, alors là, j'ai vraiment... Alors, vous voyez, quand vous oubliez comme ça, on va faire tout simplement un petit nœud coulant pour l'instant. On laisse une petite longueur pour le coincer. Et là, je vais reprendre ma fleur. Et je vais venir rajouter un peu de longueur. Voilà, faut pas les faire trop proches non plus. Tac. Là, je vais couper mes petits fils ici. Et maintenant, je reprends ma tige là où je m'étais arrêtée. Donc, alors moi, la tige, je la fais en vert, bien évidemment. Si vous voulez la faire en marron, hein, faites-la en marron. Si vous voulez la faire en violet, vous la faites en violet. Hein. Et on roule. Donc ici, assurez-vous que vos fils ne soient pas de la même longueur. Parce que sinon... S'ils sont à la même hauteur pile poil, ça va vous faire une assez grosse épaisseur et vous devrez monter et redescendre. Donc, utilisez plus de fil pour pouvoir eh bien, camoufler le petit étage. Donc là, on va rouler jusqu'en bas. Voilà. Donc, vous voyez, là, après... Ici, il n'y a pas besoin d'avoir autant de longueur. Hein. Vous voyez, je ne roule pas jusqu'en bas, parce que sinon, après, ça s'en va. Hein. On remonte. Tac, tac, tac. Et là, ce petit bout ici, on va venir le replier. Alors ça, c'est pour pas que ça pique. Après, si vous voulez les planter, vous pouvez bien sûr laisser droit. Et maintenant, je viens rerouler à cet endroit-là. On fait une petite épaisseur. Et maintenant, on va venir faire un petit nœud coulant. Hop. Alors, vous pouvez en faire deux si vous voulez également. Hein. Je laisse une petite longueur avant de couper mon fil. Parce que maintenant, on va prendre notre aiguille. On va les passer hop, à l'intérieur. Et on va venir tout simplement bien coincer nos fils. Donc là, je le pique dans la masse.
On peut même passer à l'intérieur ici. Et on repique dans la masse de l'autre côté. Alors bien sûr, on essaie de ne pas se piquer. Hop. Vous voyez, j'essaie d'y aller là où c'est bien serré. Et maintenant, on passe notre aiguille. Quand c'est fait, on tire. Et là, notre fil est coincé. On peut couper. Alors, voilà ce que ça donne. Quand vous avez fait vos petites fleurs, vous pouvez les écarter. Et ça va vous donner une petite tige comme ceci. Alors là, j'en ai pas fait beaucoup, hein, comme je le répète. J'ai fait un petit échantillon, mais bien évidemment, vous pouvez faire un petit arbrisseau en faisant plein de petites fleurs comme ça. Vous les rajoutez, eh bien, vous pouvez en faire des pendantes aussi pour les rajouter dans un bouquet. Ça peut faire sympa. Donc voilà, nos petits gypsophiles paniculés sont prêts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le deuxième de petit modèle de gigopsile que j'avais déjà fait sur la chaîne. Donc, c'est pas les mêmes. Et je vous mets également le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.